Il a été question pour la commission mixte mairie, syndicat de transporteurs et intersyndicale de chauffeurs de sensibiliser davantage sur la taxe relative aux frais d'armoirie et la numérotation des portières des véhicules de transport en commun dans la ville. Abdon Tukaya, conseiller économique du maire, donne les raisons du renouvellement de cette taxe. C'est pas une nouvelle taxe. La taxe, elle a été, je crois, réhabilitée aujourd'hui. Hier, elle était utilisée à d'autres fins. Aujourd'hui, le député maire a pensé qu'il fallait utiliser cette taxe à des fins sécuritaires. Et il n'y a pas que ces fins sécuritaires. Il y a aussi le fait que, à notre niveau, nous devons avoir les statistiques des moyens roulants qui exercent dans le périmètre urbain et qui font le commerce du transport. Cette taxe, qui rentre en vigueur dans quelques jours, sera payée à la perception par le patron du véhicule et autres kavaki une fois par an. Les montants ont été revus à la baisse, a poursuivi Abdon Tikaya. Les kavaki, 10 000 francs l'année. Le taxi, 15 000 francs l'année. Le bus, 20 000 francs l'année. Et les gros véhicules, 25 000 francs. Par ailleurs, au cours de cet échange, quelques participants ont exprimé leurs préoccupations toujours relatives à la situation du transport en commun dans la ville.